le cadre du centenaire de la Grande Guerre, le musée de l'artillerie de Draguignan propose une exposition temporaire consacrée aux batailles de Verdun et de la Somme, deux des batailles les plus mémorables de l'histoire de France. Francis Malory-Husse et Didier Beaumont. À Verdun, la bataille débute le 21 février 1916. Elle va durer 10 mois. 1225 canons, plusieurs dizaines de millions d'obus. La guerre d'usure fera plus de 300 000 morts. Sur la Somme, les Anglais se battent aux côtés des Français dans la boue pendant 5 mois avant de se résigner à l'échec. De Verdun à la Somme, deux batailles emblématiques de la Première Guerre mondiale réunies en un même lieu pour témoigner de l'usure des hommes à bout de force dans l'enfer de la guerre. Il y a une démonstration de la façon dont on vivait dans les tranchées, une vie extrêmement rustique, une vie les deux pieds dans la boue, une vie avec un risque de mort assez fréquent, une vie en cohabitation avec les rats et avec des combats qui vont prendre assez souvent des versions extrêmement brutales, y compris au couteau, à la hache, au pistolet à très courte distance, ce qui est sûrement la forme la plus intense et la plus dure qu'il y ait à avoir à la guerre. Objet d'un travail de mémoire, les deux batailles sont aussi devenues depuis une trentaine d'années des symboles fondateurs d'une identité européenne soucieuse d'instaurer la paix par une aversion commune de la guerre. Pour les Français, les Anglais et les Allemands sont des terres de mémoire mais aussi des terres de réconciliation. C'est-à-dire que l'on va côte à côte à Verdun ou sur la Somme pour se souvenir ensemble et en tirer des leçons et une leçon majeure qui est le fait de refuser à tout prix le fait de pouvoir repartir sur une guerre aussi intense. Et le fait de vouloir tout cela, ça porte un nom très simple, c'est la solidarité européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. L'exposition, un outil pédagogique pour comprendre comment deux batailles qui caractérisent la guerre totale sont aussi des sources concrètes de la construction de la citoyenneté européenne.